J'ai dit que pour Arthur et Friedrich, l'amour est un avatar de la pulsion sexuelle. Eh bien, quand ils disent ça, ils reprennent une tradition cynique, et ils s'inscrivent dans une certaine lignée, la lignée des moralistes, une lignée qui démystifie, celle des moralistes comme La Rochefoucauld et Chamfort. La différence que fait Arthur entre l'amour vulgaire et l'amour céleste est un héritage de Platon, et l'opposition entre égoïsme et altruisme prolonge une distinction traditionnelle, la différence entre concupiscence et bienveillance, ou entre la volonté de posséder et l'amour oblatif. Introduire cette opposition fait commencer la réflexion morale par notre sentiment actuel, dans la mesure où ce sentiment est le produit du passé, l'aboutissement d'un devenir, le terme ultime de l'évolution morale. C'est une erreur de commencer par là, comme le souligne Friedrich. Adhérer à cette opposition, c'est le résultat du ressentiment, mais c'est aussi le résultat de l'oubli du devenir et de l'oubli de la variété du devenir. Arthur soutient que partout le connu doit servir à expliquer l'inconnu, et non pas inversement. Son point de départ, c'est la volonté dans la mesure où elle est de toutes les choses possibles la mieux connue de nous, la seule à nous immédiatement donnée. Alors d'accord, la chose en soi entre immédiatement dans la conscience, elle prend conscience d'elle-même et quand elle fait ça, elle n'est pas connue seulement comme représentation. La volonté est connue en partant du dedans, car nous sommes nous-mêmes la chose en soi. La connaissance de notre propre vouloir n'est pas une intuition située dans l'espace et elle est a posteriori. Notre volonté nous fournit quelque chose d'immédiatement connu, et qui n'est pas, comme tout le reste, uniquement donné dans la représentation. Mais reste que pour Arthur, il faut partir de la volonté pour aboutir à la vérité. C'est de la volonté que part la route unique et étroite qui peut nous mener à la vérité. Donc, le point de départ pour comprendre la nature, c'est connaître notre volonté. Friedrich fait une hypothèse qui étend le modèle de la vie pulsionnelle au monde des phénomènes physiques, inorganiques. Quand il fait ça, on dirait que lui aussi part du connu. Il comprend le monde matériel à partir de son semblable, en considérant nos désirs et passions comme le seul élément donné comme réel. Eh bien, s'il fait ça, c'est parce qu'il a découvert que l'activité pulsionnelle est à l'origine des doctrines et des systèmes de pensée qu'il a étudiés auparavant. Donc, Friedrich étend à toute la réalité ce qu'il sait des pulsions. Il a même un programme. Son programme, c'est de sublimer l'instinct de probité.
on dirait bien que ce programme implique des directions définissables et régulièrement suivies. Et peut-être même une suite d'opérations réglées d'avance. Voire peut-être que ça implique aussi de concevoir un plan à suivre de façon réfléchie. L'instinct de probité est né de la peur d'être trompé et du conflit entre pulsions. L'instinct de probité, c'est une chose en devenir que nous pourrons encourager ou entraver selon notre sentiment. La probité est le résultat d'un travail intellectuel, surtout lorsque deux instincts opposés mettent l'intellect en mouvement. Même la mémoire repose sur l'instinct de probité. Cet instinct peut se retourner contre le jeu des pulsions, ce qui permet de comparer les représentations provoquées par une nouvelle affection. Enfin, quand Friedrich fait la généalogie de l'amour, il part d'interprétations qu'il considère comme un résultat, comme le produit d'une évolution, d'un long processus de formation, dirigé par l'activité de pulsion. Friedrich analyse et compare l'impact à long terme de ces interprétations sur le développement de la vie. Ça implique de connaître les conditions et circonstances d'apparition des valeurs, et aussi de connaître leurs conditions et circonstances de développement et de déplacement.